Que la grâce de Jésus notre Seigneur et l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bien-aimés dans le Christ, en ce 19e dimanche du temps ordinaire de l'année A, la parole de Dieu nous convie de contempler le Christ qui marche sur les eaux et il sauve les disciples abattus par le vent, abattus par les vagues parce que leur barque était en train de chavirer. Bien-aimés dans le Christ, Jésus demande aux disciples de le précéder sur l'autre rive. Lui grimpe la montagne pour prier. Il reste là seul, seul pour communiquer avec le Père Céleste, seul pour se ressourcer. Bien chers frères et sœurs, c'est plus loin. Le texte nous dit aux petites heures que Jésus retrouve les disciples dans une circonstance que nous connaissons. Il marche sur les eaux. Bien-aimés dans le Christ, la première chose que nous pouvons retenir, Jésus demande aux disciples de le rejoindre sur l'autre rive, d'aller, de traverser, d'aller sur l'autre rive du lac. Jésus nous demande au quotidien de traverser, traverser pour aller sur la rive de la vie divine, traverser pour atteindre la rive de la paix intérieure, traverser pour rejoindre le calme de la vie. Mais tout seul, les disciples se sont rendus bien compte, ils ne peuvent rien. Ils ont besoin de la présence de Dieu, de la présence de Dieu parmi nous, le Christ. La première lecture d'aujourd'hui, nous avons entendu et nous entendrons encore comment le prophète Élie se retrouvait sur la montagne en écoutant la présence de Dieu qui passait par une brise légère. Il a été protégé, il a reçu la présence de Dieu, Dieu l'a reconforté, Dieu l'a accompagné, Dieu a été avec lui. Également, dans la part de l'évangile, les disciples vont faire justement l'expérience de la présence de Dieu parmi eux et l'expérience de la présence de Dieu que nous faisons nous aussi aujourd'hui. Leur barque était battue par les vents et par les vagues et ils ont eu peur. Ils étaient terrifiés, désemparés, comptés pour rien. Ils ne savaient pas comment s'y prendre. Une situation difficile. Quand on se retrouve sur la mer, ceux qui voyagent, parfois dans des petites pirogues, ils en savent quelque chose. Quand le vent est contraire, tout devient compliqué. Même les grands bateaux peuvent chavirer. Bien chers frères et sœurs, notre vie de tous les jours est cette barque et ces bateaux. Et plus souvent, généralement, nous titubons. Nous sommes dans une situation difficile. Les vents sont contraires. La vague est là. Et nous ne savons rien faire. Nous sommes battus. Nous sommes essoufflés. Mais Jésus le Christ nous accompagne. Il nous accompagne, il marche sur les eaux. La marche sur les eaux, c'est une théophanie. La marche sur les eaux, il s'agit d'une épiphanie. La marche sur les eaux, il s'agit de la manifestation de Dieu parmi nous. Et Jésus le Christ, le Dieu parmi nous, il se manifeste à nous de différentes facettes, de différentes façons. Mais il nous accompagne toujours à des moments difficiles, à des moments de joie également. Jésus qui marche sur les eaux, les disciples, ils ont peur que c'est un fantôme. Dans notre vie quotidienne, toute réalité extraordinaire nous renvoie à penser que c'est un fantôme. Mais pourquoi? Pourquoi nous sommes si désemparés? Mais parce que l'humanité nous assaillit, parce que les sens humains nous emportent parfois. Par ainsi, chers frères et sœurs, quand on y met de l'humain tout le temps, nos relations interpersonnelles sont brisées. Quand on y met de l'humain tout le temps, l'égoïsme prend la place. Le tribalisme prend la place, le clientélisme prend la place, ainsi de suite. Nous n'arrivons pas à avancer parce que les vagues nous touchent et on a peur. Pourquoi les disciples ont ici peur que c'est un fantôme qui ne pouvait pas tout de suite reconnaître le Messie, reconnaître Jésus? Chers frères et sœurs, cette page de l'évangile est riche d'enseignements et Jésus nous invite justement à faire l'expérience de la présence de Dieu, de rentrer à nous-mêmes
d'être forts dans la prière, de nous attacher réellement au Christ à travers la prière, afin que nous puissions vraiment compter sur cette présence de Dieu parmi nous. Parce que cette présence ouvre notre cœur, fait ressortir ce qu'il y a de bon en nous. Cette présence ne nous écrase pas, elle ne nous détruit pas. Par contre, elle nous redonne vie. Par contre, elle nous présente le calme et la paix. Bien chers frères et sœurs, la barque, c'est notre Église qui est tourmentée par bien des preuves. La barque, c'est nos amis. La barque, c'est notre famille. La barque, c'est notre lieu de travail. La barque, parfois, c'est nous-mêmes confrontés à des épreuves de tout genre, de toutes sortes. Mais Jésus nous dit, n'ayez pas peur. C'est moi, n'ayez pas peur. Je suis avec vous, je vous accompagne. Jésus est avec nous. Peu importe les circonstances difficiles, peu importe les tentations de tous les jours, peu importe l'orage qui remplit nos cœurs, Jésus, il est avec nous. Il nous dit, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, comptez sur moi. Je suis la lumière du monde, comptez sur moi. Et notre ami Pierre, qui prend notre place régulièrement, Pierre dit, Seigneur, si c'est vous, ordonne-moi aussi de marcher sur les eaux. Et Pierre a commencé à marcher sur les eaux. Mais il va encore revenir sur sa propre humanité. Pierre commence à s'enfoncer, il crie, Seigneur, sauve-moi. C'est une belle petite prière, si courte prière, Seigneur, sauve-moi. À chaque fois, nous sommes dans les tentations, dans des circonstances difficiles, prions, Seigneur, sauve-moi. Si tu n'as pas assez de temps, quelqu'un qui demande de prier pour lui, il est malade, il est dans une situation difficile, prie seulement, Seigneur, sauve-moi. Et le Seigneur nous sauve toujours. Chers frères et sœurs, n'ayons pas peur, peu importe la crise. Mais on voit aujourd'hui, à cause des crises, les gens perdent les différentes pédales. Ils ne savent plus rouler, ils ne savent plus pédaler, ils ne savent plus faire quoi que ce soit. Ils perdent contrôle. La foi s'envole. Mais Jésus, dans des circonstances difficiles, voudrait que nous puissions garder la foi. Parce qu'il est avec nous. Et que nous puissions prier, Seigneur, sauve-nous. Prions ainsi, Seigneur, sauve-nous, n'ayons pas peur. La turbulence est généralement là. La turbulence des manques d'argent. La turbulence des manques des biens économiques. Beaucoup de jeunes gens sont en train de se jeter dans la gueule des lions avec des expressions « courte vie ». Mais courte vie, une vie avec de l'argent, avec beaucoup d'argent, mais sans savoir où est-ce que tu vas obtenir cet argent. Non, courte vie, c'est bon. Les gens qui prennent la voie de Satan, les gens qui prennent la voie du diable, mais parce qu'ils ont peur. Ils ont peur d'affronter la vie. Ils ont peur de travailler de leurs mains. Ils ont peur de travailler de leur intelligence. Et ils se jettent dans des guerres de lions, des compromissions de tous bords. Ils sont chrétiens, juifs de la journée, mais la nuit font autre chose. Ils adorent et le Christ et le diable. Ça ne peut pas être ainsi. N'ayons pas peur de la vie. Soyons optimistes, car le Christ nous accompagne. Et quand nous lui disons, Seigneur, sauve-nous, il nous sauve toujours. N'ayons pas peur. Les disciples vont faire l'expérience et confirmer pour dire, c'est vrai, vous êtes le fils de Dieu. Vous êtes le fils de Dieu parce que vous avez la force de stopper le vent, de stopper les esprits, de stopper n'importe quoi qui peut nuire à notre vie. Vous êtes le fils de Dieu. Votre présence nous réconforte. Jésus, fils de Dieu, réconforte nos familles, réconforte nos cœurs. Accompagne-nous. Donne-nous le courage de te reconnaître que tu es le fils de Dieu. Aide-nous au quotidien à traverser la mer qui a parfois des crocodiles, des rivières qui ont parfois des crocodiles, des rivières, des lacs qui ont parfois des animaux aquatiques si féroces. Mais tu es avec nous. Les vents contraires de la nature, les calamités naturelles de tout genre, de tous bords. Mais tu es avec nous. Aide-nous à traverser toujours. À traverser avec vous pour retrouver la rive du calme et la rive de la paix. Recevez la bénédiction du Seigneur, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne méditation et bon dimanche à tout le monde.